C'est un débat qui va avoir du piquant, qu'on va, comme son nom l'indique, on va parler de vaccination. Et je crois qu'on va devoir parler en anglais. We are going to speak English for this debate. Hello everybody. Mais avant, before, we are going to listen Thierry Breton, the French commissioner, who has something to tell us about Africa, technology and vaccination. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier la Tribune pour l'organisation de cet événement auquel j'aurais vraiment aimé pouvoir me joindre en personne, parce que vous le savez, et en particulier vous à la Tribune, ce thème de la relation Europe-Afrique m'est particulièrement cher. Alors ce forum Europe-Afrique se tient bien évidemment dans le contexte, comment dirais-je, extraordinaire, au sens littéral du terme que l'on connaît, avec en particulier la guerre, non pas aux portes de l'Europe, mais sur le territoire européen même. Les événements absolument dramatiques de ces dernières semaines ne font que souligner l'effort permanent qui doit nous animer en faveur du dialogue et de la coopération. La relation que nous entretenons avec le continent africain est très forte. Et la ville de Marseille, où vous vous trouvez actuellement, y joue un rôle particulier, celui de passerelle culturelle, séculaire, millénaire, mais aussi économique. Je souhaitais aujourd'hui revenir avec vous sur trois piliers qui me semblent très importants de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. La technologie, l'énergie, mais aussi, parce que la pandémie est toujours là, les vaccins. Sur la transition numérique, il est vraiment temps de se mobiliser sur des projets concrets. Et dans ce domaine, le potentiel du spatial est un immense atout pour assurer un meilleur accès à l'Internet pour tous, et en particulier sur tout le continent africain. Dans cet esprit, du reste, nous avons lancé le mois dernier un projet de constellation de satellites en orbite basse pour permettre une meilleure connectivité en Europe, sur le continent européen, mais aussi, en même temps, puisqu'il s'agit d'une constellation nord-sud, surtout le continent africain, puisqu'au fond, on est couvert aussi bien en Europe qu'en Afrique par les 4 ou 5 mêmes fuseaux horaires. Il s'agit donc de mettre fin, d'une part pour nous en Europe, aux zones blanches, d'assurer également une redondance avec les réseaux terrestres et également de permettre des communications ultra-sécurisées, en particulier grâce au cryptage quantique. Mais ce projet est aussi absolument essentiel, et vraiment on l'a conçu pour cela aussi, afin de soutenir le développement d'initiatives portées par les entrepreneurs africains. Et j'en sais quelque chose, je sais combien les start-up sont innovantes, prometteuses, les jeunes ingénieurs africains plein d'idées qui seront très importantes de mettre en œuvre. Pour ça, évidemment, il faut une infrastructure et elle sera là à leur disposition. Un autre point central de notre coopération concerne, et c'est le deuxième aspect que je voulais aborder avec vous, les défis énergétiques et climatiques. En Europe, pour atteindre notre objectif zéro carbone, il faudra, on le sait, doubler la production d'électricité d'ici à 2050. C'est un objectif dont je mesure vraiment l'ambition. C'est absolument considérable. Et pour l'Afrique, selon certaines estimations, il faudra sans doute au moins les tripler, voire, je crois que c'est plutôt ça, les quadrupler. C'est ainsi plus de 100 milliards d'euros d'investissements par an qui seront indispensables rien que pour cette nécessité d'électrification du continent africain. Et ça nous oblige donc à assurer un accès au financement, mais aussi à mobiliser l'ensemble de l'écosystème industriel contribuant à cette électrification. Le contexte actuel, au regard de la dépendance de nombre de pays vis-à-vis de l'énergie russe, rappelle l'urgence d'investir massivement dans l'autonomie énergétique. Et la situation géopolitique que nous vivons ne doit bien sûr pas nous faire oublier l'importance, et c'est le troisième point, contre le virus. Et ce sera donc cet aspect des choses que je voulais évoquer avec vous
en indiquant que dans ce domaine, notre priorité se déclinera donc sur deux axes. Tout d'abord, nous assurer que les vaccins soient bien distribués partout et de manière équitable, et bien entendu en priorité auprès de ceux qui en ont le plus grand besoin. L'Union européenne, vous le savez, reste très engagée dans cet aspect des choses au sein de COVAX. Mais nous devons également soutenir la production locale de vaccins. Et c'est pourquoi nous voulons promouvoir la création de capacités même de production sur le continent africain à travers des projets industriels comme celui sur lequel je me suis beaucoup impliqué pour l'initier. C'était le premier du reste à être initié, porté par l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal. Il y a d'autres projets qui vont voir le jour, qui sont également en cours de développement en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Mais c'est un sujet absolument essentiel. Nous devons, j'allais dire, saisir ce moment particulier pour permettre à l'Afrique de se doter des infrastructures nécessaires pour fabriquer ces vaccins, mais aussi tout type de vaccins, multitechnologies, ARN messager, adénovirus, protéines recombinantes, pour évidemment lutter contre cette maladie, mais aussi pour d'autres pandémies à venir éventuellement. Et on sait qu'il y en aura. Mesdames et messieurs, c'est donc dans la continuité du sommet Europe-Afrique qui s'est tenu le mois dernier que ce forum doit contribuer à poursuivre dans cet objectif si important qui est celui du renforcement de nos liens. Ce que j'appelle de mes voeux, mais aussi encourage, et que nos concitoyens attendent, bien entendu, de nous, ce sont des résultats tangibles, et en quelque sorte des projets phares, évidemment, pour libérer le potentiel économique de diversification et de croissance de l'Afrique, avec une logique qui est la nôtre. La nôtre, notamment à la Commission européenne et dans les instances dirigeantes de l'Europe, à nous d'écouter l'Afrique pour mieux travailler ensemble avec le continent africain. Je vous souhaite d'excellents échanges tout au long de cette journée et je vous remercie. Merci. On a entendu donc Thierry Breton, le commissaire européen. Tout le monde ne le sait pas, mais je crois que Thierry Breton a la double nationalité. Il est à la fois français et sénégalais, donc c'était intéressant d'entendre ce qu'il disait. Alors, je me suis trompé, pardon. Je peux parler français puisque vous avez la traduction. So I don't have to speak English now. But you can speak in English, of course. We'll listen you. On parle français. Donc, alors, je regardais, tous anti-Covid me dit que la vaccination complète en France, 79,5%, je parle de la couverture avec les trois doses, bientôt la quatrième peut-être, pour un certain nombre d'entre nous. En Afrique, on est à 11% de la population adulte. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça ne va pas du tout. On parle déjà d'arrivée d'une sixième vague du Covid en Occident. En Afrique, il y en a déjà eu au moins quatre. Fort heureusement, chacun le sait, la population est beaucoup plus jeune. L'Afrique a été plus préservée du point de vue de la mortalité, mais ça ne veut pas dire que, la seule chose que dans ce monde incertain que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Et à propos du Covid, nous ne savons pas tout, nous ne savons pas si un jour un variant pourrait se révéler plus virulent, voire plus mortel. C'est dire l'enjeu, parce que l'actualité, évidemment, une actualité chassant l'autre, la guerre et la guerre en Europe, en Ukraine, a un peu fait oublier cette réalité d'une pandémie qui a été déclarée il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, j'allais dire, par l'OMS. L'OMS qui a fait une déclaration il y a très peu de temps, disant que cette pandémie est loin d'être terminée. Pour en parler, pour parler des enjeux, notamment pour l'Afrique, et pas seulement de la vaccination contre le Covid, mais pour parler de santé, pour parler des enjeux de la vaccination et du traitement pour tous, dans un continent qui sait ce que c'est que des pandémies et des épidémies, qui a l'habitude, c'est peut-être ce qui lui a permis d'éviter peut-être le pire avec le Covid, de mieux s'en préserver. On a vraiment des experts, on a beaucoup de chance. Alors, à commencer par Philippe Touste-Blazy, bien sûr, ancien ministre et président du Unit Life, ancien ministre de la Santé, qu'on va entendre dans quelques instants. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Nous avons Souad Abderrahim, qui est maire de Tunis, vice-président de l'AIMF, et qui va nous parler comment
grand, puisqu'on parle de beaucoup de métropoles cet après-midi. À Tunis, ça s'est passé et comment vous pouvez continuer à agir. Nous avons avec nous Stavros Nicolaou. Bonjour monsieur, vous êtes directeur du commerce stratégique de Aspen Pharmacare, qui est l'un des grands groupes pharmaceutiques africains, sud-africains en l'occurrence. On sait à quel point vous travaillez et vous avancez peut-être assez vite en Afrique du Sud sur ces questions-là. Nous avons à distance Alan Donnelly, qui est président du G20 Santé et Développement. Bonjour monsieur, hello. We are going to listen to you next. Et enfin, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Elsa Zekeng, qui est une scientifique, qui est docteur en médecine, qui est entrepreneur et qui est assez militante, qui va pouvoir peut-être nous interpeller. Voilà. Peut-être pour commencer, ben, je crois que j'ai envie de commencer avec vous. Maybe you can start. Elsa Zekeng, parce que, quitte à poser le problème, j'avais dit ce matin, pas de blablabla, donc je pense que chacun connaît, no more blablabla, sur ce sujet de la vaccination et de l'Afrique, peut-être vous entendre en premier, nous dire à la fois sur le Covid, mais également les enjeux de santé publique du continent. Merci beaucoup Philippe. Je vais d'abord commencer à dire que mon doctorat est en maladies infectieuses et santé publique. Mais je vais changer en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais. Du fait de ce doctorat, vous êtes d'autant plus qualifié. Exactement. So to understand the vantage point from which I'm. Pour comprendre avec lequel je me place, quand on parle des vaccins et des traitements au niveau du diagnostic, en fait, ce sont des biens pour la santé publique qui sont utilisés lors des campagnes de santé publique pendant une épidémie ou une pandémie. Et je dirais que pendant une pandémie, ce sont des droits humains de base. Ils vont de pair avec la santé et la sécurité, le fait d'être en bonne santé. Et je ne comprends pas pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation où seulement un certain nombre de personnes, un certain nombre de pays ont accès à cela. Et cela a été le cas déjà au niveau historique. On a vu avec les épidémies, les pandémies du sida, où une majorité des décès se sont produits en Afrique. On a vu aussi avec les épidémies d'Ebola, où ces biens de santé publique n'étaient disponibles que pour le pays du Nord. Et là, on l'a vu aussi pour la pandémie de COVID-19, où le nationalisme a été vraiment prédominant et certains pays n'ont pas accès à ces biens publics, même s'ils ont le financement. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Cela s'est produit par le passé et si nous ne parvenons pas à réduire ces inégalités, cela va se reproduire encore et encore. Il faut pouvoir vraiment gérer les épidémies et les pandémies. Il faut aller d'une approche centrée sur certaines maladies en particulier vers un système de lutte contre les épidémies et les pandémies. Maintenant, je voudrais donc parler de l'objectif de l'OMS d'atteindre un objectif de 70% de vaccination d'ici à la mi-2022. Comment est-ce que nous pouvons atteindre cet objectif? Et là, j'aimerais faire appel à vous tous. J'aimerais faire appel au secteur privé, au secteur public, aux entreprises pharmaceutiques. C'est une situation où tout le monde doit agir. Nous devons penser de manière créative, penser rapidement et agir dans l'urgence. Il faut créer des partenariats qui sont à la fois innovants, qui ne sont pas traditionnels, nous pouvons nous engager avec des partenaires traditionnels ou non traditionnels pour vraiment pouvoir mettre en œuvre ce défi. C'est une situation urgente. Avec la mondialisation, tout le monde n'est pas en sécurité si on n'est pas vacciné.
Donc, bien sûr, il y a une production maintenant qui se produit en Afrique du Sud et il y a bien sûr des pays qui ont commencé des programmes de vaccination avec Moderna, par exemple, mais il faut des leaders dans les pays du Sud qui investissent dans cette recherche. Nous devons investir dans l'éducation, dans la formation et cela nous permettra de créer une situation où nos systèmes de santé sont durables, où nous dépassons le nationalisme et nous dépassons l'individualisme et nous avons une approche beaucoup plus mondialisée parce que nous sommes tous dans la même situation et je sais que nous ne voulons pas que ce que nous avons vécu ces deux dernières années se reproduise. Merci beaucoup. Merci, merci encore. On essaiera si on a un peu de temps. Mais vous êtes nombreux à être là et je voudrais vous donner le plus possible un temps de parole égal. Alors on va écouter maintenant peut-être Philippe Douste-Blazy. Alors vous avez entendu ce qui vient d'être dit et je pense que vous le partagez. La santé est l'un des biens évidemment communs mondiaux. Prêt face à la situation telle qu'elle est décrite pour assurer une meilleure égalité d'accès, notamment à la vaccination, sachant qu'on y a un intérêt réciproque, j'allais dire. Oui. Alors d'abord, moi je suis très heureux d'avoir entendu ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que cette pandémie a montré à tout le monde qu'il y avait deux sortes de santé publique, celle du Nord et celle du Sud. Donc c'est absolument intolérable. On ne peut pas continuer comme ça. Premier constat que l'on voit, c'est que personne n'était prêt. Ni l'Organisation mondiale de la santé, ni aucune organisation internationale, ni aucun pays dans le monde. Et on a vu aussi que ce soit les outils de diagnostic, de détection, les outils de prévention, les outils thérapeutiques, vaccins ou antiviraux, tout au Nord, rien au Sud. On était en train de parler de la troisième ou la quatrième vaccination, par exemple chez nous, au moment où il n'y a toujours pas de vaccin, comme vous l'avez très bien dit, en Afrique. Alors, nous avons connu ça dans les années 90 avec le sida, où nous avions des médicaments ici en Europe ou aux États-Unis qui ne donnaient pas d'effets secondaires. Et on laissait des nouvelles molécules très efficaces qui ne donnaient pas des effets secondaires. Et les Africains, qui avaient beaucoup de sida, on leur donnait des vieux médicaments que nous ne voulions plus, qui donnaient des névrites avec des douleurs terribles dans les jambes. Voilà. Alors, il se trouve, et c'est ça que je voudrais mettre en discussion aujourd'hui, et je remercie Jean-Christophe Tortora de me permettre de le faire, et vous aussi, c'est que en 2009, nous avons décidé, à quelques-uns, avec le patron de Médecins Sans Frontières, mais c'est moi qui ai porté le combat, de faire la première communauté de brevets pharmaceutiques au monde. Ça veut dire le Medicines Patent Pool, MPP. Quand j'ai créé cette première communauté de brevets, je l'ai faite pour le sida. Parce que aujourd'hui, Philippe, il faut que vous sachiez que lorsqu'un médicament sort à New York, à Londres, à Paris ou en Australie, il faut 15 ans, entre 10 et 15 ans, pour que ce soit à Bamako, à Addis Abeba ou dans certains pays du sud-est asiatique. 15 ans, ça veut dire que vous êtes malade, vous avez la chance d'être dans l'hémisphère nord, vous guérissez, vous ne mourrez pas en tout cas, et vous avez la malchance d'être dans un mauvais endroit et vous mourrez. Donc, à force de se battre, nous sommes arrivés à le faire pour le sida, pour la tuberculose, pour les hépatites. Question c'est, pourquoi on ne l'a pas fait pour le vaccin? Et c'est un jour extrêmement important aujourd'hui, parce que hier, à l'OMC, c'est une bombe, à l'OMC, ils ont accepté de dire que la propriété intellectuelle allait pouvoir être enlevée et cassée pour les pays pauvres. Le problème, c'est que pour faire un vaccin, il ne faut pas que la propriété intellectuelle. Il faut ce qu'on appelle le know-how. Comment on fabrique ça? Et donc la grande discussion que nous devons avoir aujourd'hui, et je regrette que M. Bancel ne soit pas en face de moi parce que j'aurais aimé parler de ça avec lui, pourquoi
aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement dans les pays riches n'ont pas accepté d'obliger les laboratoires pharmaceutiques de faire le MPP, Medicines Patent Pool, communauté de brevets, aussi pour les vaccins. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pardonnez-moi, je termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que dit mon ami Thierry, qui était ravi de le dire. Très bien, M. Macron est ravi aussi de le dire. M. Johnson est ravi de le dire. M. Biden est ravi de le dire. Ils sont allés acheter des vaccins pour les pays les plus pauvres au prix où ils les achètent pour leur pays. Ça s'appelle COVAX. Alors que le MPP, c'est 100, par exemple, pour la France, et c'est 2 pour le même médicament anti-sida, 2 pour le Sénégal ou pour... voilà. Et c'est ça qu'il fallait faire. Je vous relance juste, mais on peut pas... Tout le monde devra parler, mais je vous relance sur ce point, parce qu'effectivement, l'OMC a dit qu'un compromis sur les brevets était possible dans les prochaines semaines. Mais la question derrière, c'est toute la logistique. Et c'est ça qui va aussi coûter cher. Alors, juste un chiffre, pas deux chiffres. La dette française, Covid, c'est 150 milliards à peu près. Je le fais vite, quoi, 130. Vacciner le monde entier, ça a été évalué par des économistes très sérieux, à 50 milliards de dollars. On pourrait vacciner le monde entier pour 50 milliards de dollars et on ne le fait pas, alors qu'on sait que si on prend, soit par une nouvelle vague ou un nouveau variant qui serait plus mortel, on peut se reprendre. Là, on a l'Asie, toute la région de Shenzhen qui fabrique vos iPhones, mesdames et messieurs, qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, mais on n'a pas du tout besoin de 50 milliards. D'abord, vous dites qu'on pourrait les trouver, ce qui est vrai, mais surtout, on n'a pas du tout besoin de 50 milliards. Si on prend le mécanisme que nous avons inventé pour le sida, la tuberculose et les hépatites, avec 2 milliards maximum, vous vaccinez le monde entier. Donc, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il pourrait y avoir un jour un variant qui pourrait être plus dangereux. Alors ce jour-là, brutalement, comme ma consoeur vient de le dire, comme pour Ebola, là, brutalement, vous aurez évidemment des vaccins qui vont se retrouver. Quand je disais 50 milliards, c'était au prix actuel des vaccins. Oui, mais c'est brevets. On peut pas. C'est bien le sujet. Oui, mais il faut pas payer les vaccins dans les pays pauvres au prix où on les achète dans les pays riches. C'est ce que nous avons déjà inventé. Donc faisons-le pour le vaccin. Merci Philippe. On va écouter les autres intervenants, sinon ça serait un débat à deux. Mais merci Philippe Douce-Blazy et Elsa de ce premier échange. Alors là, on va écouter la maire de Tunis qui a fait le déplacement pour parler aussi de son expérience, comment vous la vivez et l'avez vécu cette pandémie, mais peut-être plus globalement aussi pour nous donner quelques enjeux de santé publique dans les grandes métropoles africaines. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois remercier la tribune pour l'organisation ainsi que l'IMF pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, autour de mes confrères et consoeurs, parce que je suis pharmacienne de profession et actuellement maire de Tunis. C'est vrai que nous avons vécu, comme tout le monde, une guerre réelle. C'était pas facile de gérer la pandémie Covid-19. Même si l'enjeu de la santé n'est pas attribué à la municipalité ou bien au maire. Mais c'est le ministère de Santé qui gérait les problèmes de santé. Mais nous, les maires, puisqu'on est élus, puisqu'on est tout le temps à l'écoute et à proximité des citoyens, des habitants, nous devons confronter ces problèmes. Nous devons être très proches de résoudre leurs problèmes et contribuer aussi à l'effort national. C'est ce que nous avons fait. Nous, les municipalités de Tunis, on était prêts à coopérer avec le ministère de Santé, avec l'État en général. Pour nous, déjà, dès les premières vagues, nous étions présents près des citoyens. Au départ, il y avait beaucoup d'appels, il y avait beaucoup de monde qui voudrait faire le dépistage, parfois même qui devrait avoir même des consultations à distance. Nous avons créé un centre d'appel qui a reçu des milliers d'appels pour, d'une part, faire calmer les gens et les prendre en charge psychologiquement et peut-être que les prendre en charge pour les ramener dans les centres d'hospitalisation ou bien de dépistage ou bien de réanimation et tout ça. Donc, un centre d'appel était fonctionnel 24/24 avec un numéro vert.
Là, je remercie la société civile qui était très proche de nous et qui nous a encadrés pour faire ce travail. Par la suite, des campagnes de sensibilisation, des communications. Donc, nous communiquons chaque jour avec les habitants, avec les citoyens. Comment faire ? Comment vous devez confronter la propagation de virus ? Donc, nous étions présents. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi mis à la disposition des patients une ambulance offerte d'ailleurs par l'AMF, que je remercie énormément. Donc, c'est là notre rôle. Et en plus, ça nous a donné une nouvelle idée de créer des villes santé. Parce que la pandémie, ce n'est pas seulement la période du Covid-19, mais c'est aussi le post-Covid. Comment on doit penser prochainement, comment nos villes doivent être, comment nous devons réagir face à d'autres pandémies. Et il faut attendre, parce que là, ce n'est pas la fin de la pandémie. Pour vous, ça a été un premier avertissement, en fait, cette pandémie. Oui, c'est le premier avertissement, mais pour nous, il faut changer l'idée, comment avoir des villes résilientes, comment avoir un aménagement que peut concevoir telle pandémie. Et nous avons la chance d'être parmi 5 villes retenues pour bénéficier d'un projet auprès de l'OMS Ville Santé. Et là, c'est l'espace vert. Et là, je rejoins mes amis le matin, et nos partenaires aussi. On doit parler de zéro carbone. On doit aussi parler de ville, de l'économie verte et l'économie bleue, pour avoir ville santé. Santé, c'est un droit pour tout le monde. Et là, je reviens pour la vaccination. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je parle de l'égalité. L'égalité entre les personnes. L'égalité entre les êtres humains. Donc, vacciner par tous, pour tous. Parce que le fait de se faire vacciner, on protège les autres. On protège même l'économie. On protège aussi la mobilité. Donc, pour nous, c'est vrai que suite à la pandémie de Covid, nous avons aussi parlé à la numérisation de l'administration pour faciliter le travail. Parce que face au confinement, nous avons trouvé plusieurs problèmes. Donc là, nos stratégies doivent être révisées, mais on ne peut jamais nier ou bien concevoir une inégalité pour tout ce qui est santé et santé des habitants ou bien des citoyens à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, madame, de ce témoignage. Alors, on va poursuivre le débat. Vous applaudirez à la fin. Vous applaudirez. On va poursuivre le débat en revenant aussi au débat de COVAX avec Stavros Nikolaou. Donc, vous êtes directeur du commerce stratégique de Aspen Pharmacare. Alors, 2-3 éléments de contexte pour préciser la question, si vous l'avez traduite, j'espère, en français. 6 pays africains auront leur propre production, a décidé l'OMS. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie, qui vont donc avoir les infrastructures pour pouvoir fabriquer leur propre vaccin. Afrique du Sud, donc votre pays. J'ai vu aussi une information... Il y a une biotech sud-africaine, peut-être que vous connaissez, qui annonce déjà avoir trouvé le premier vaccin ARN messager en Afrique du Sud. J'imagine que vous-même êtes en train d'y travailler. Donc ce que j'aurais voulu savoir, c'est de votre côté, voilà, est-ce que l'Afrique peut rattraper son retard et qu'est-ce que votre groupe peut faire dans ce domaine ? Si jamais les brevets ne sont pas libérés, ce qui ne semble pas encore complètement gagné, même si le combat continue... Après, il y a aussi, vous le savez, vous êtes dans une entreprise pharmaceutique, le sujet, il faut quand même le reconnaître, qu'il faut financer l'innovation. Ce n'est pas Philippe Douste-Blazy qui a été ministre de la Santé. Donc, ce n'est pas si simple de dire qu'il faut donner le vaccin à tout le monde, il faut en même temps... Il y a le sujet capitalisme, Big Pharma, on peut l'entendre, et la réalité qui est qu'il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait une rémunération du risque. Si on n'avait pas cette rémunération du risque, on n'aurait peut-être pas ces innovations. Comment vous vous situez, vous, et est-ce qu'on peut avoir une réponse africaine? Est-ce qu'on peut avoir un rattrapage dans le domaine, justement, de ces vaccins? Pas que du Covid, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres maladies infectieuses.
Ma question était longue, mais votre réponse peut être plus longue que ma question. Thank you, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, la tribune, pour cette invitation de participer à cette débat aujourd'hui. Mais je voudrais, en préface de mon intervention, donc mettre en lumière les leçons que nous avons apprises au cours de ces 25 derniers mois. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant cette pandémie. Donc, les trois leçons que nous avons apprises sont tout d'abord la capacité locale résolve les problèmes locaux. On ne peut pas non plus parler de pandémie. On ne peut pas planifier une pandémie en début d'une pandémie. Il faut planifier ces pandémies avant qu'elles se produisent. Et le troisième point, c'est que personne n'est en sécurité. Et donc, si nous ne sommes pas tous en sécurité, personne n'est en sécurité. L'Afrique importe plus de 99% de ses vaccins et ils produisent moins de 1%. Deuxièmement, seulement 17% des Africains ont été vaccinés au jour d'aujourd'hui. L'ancien ministre faisait référence. Donc, c'est un fait mondial. You can probably work out, Minister, I'm of Cypriot origin, right? I'm South African, but of Cypriot origin. Donc, on peut parler d'origine de différentes. Donc, il y a des ethnies plus vieilles qui ont reçu, des ethnies plus âgées qui ont reçu plus de vaccins que d'autres ethnies. Et c'est ce que vous disiez précédemment. Donc, ce qu'il faut faire, il faut être sérieux en termes de mise en œuvre des capacités locales. Donc, nous sommes les plus grands fabricants de produits pharmaceutiques et nous avons produit plus 190 millions de doses, c'est-à-dire plus chez Johnson & Johnson & Johnson. Nous avons reçu une autorisation, une licence, donc maintenant on peut introduire. Donc tout est déjà bien sur les rails, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Donc, acheter à des sociétés africaines, donc permettrait d'obtenir des capacités nettement supérieures. Donc, il faudrait maintenir ces vaccins. Donc, pour tous les pays du monde, il faut une production importante. Donc, il faudrait donc fournir, acheter non seulement donc en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Inde. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe en Inde. Donc, l'Inde a fourni des vaccins à l'Africain, mais l'Inde a levé les restrictions d'importation, mais on ne peut pas avoir ces restrictions à nouveau dans le futur. On ne sait pas. Personne ne sait si ce virus va repartir ou non. Donc, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est deux messages. Il faut donc changer la dynamique d'achat. Il faut avoir des brevets donc pouvoir fournir par des sociétés locales en Afrique. Et le deuxième point, il faut assister l'Afrique pour importer donc les vaccins de façon à pouvoir fournir. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, on reviendra peut-être vers vous tout à l'heure si on a un peu de temps. So,
Je me tourne maintenant, pardon, vers Alan Donnelly, qui est en distanciel, en Zoom, en vidéo, président du G20 Santé et Développement. Je ne sais pas si vous avez une traduction ou si je dois. Vous allez parler en. You're going to speak English. So good to have you. What do you say? Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit parce que ce qui me perturbe beaucoup, c'est que on traverse cette pandémie et donc 80% de la population n'a pas encore reçu la première dose. Et donc, il faut une architecture pour la santé. Et cette architecture, est cassée. Donc, maintenant, nous sommes dans une fenêtre. Et il faut, avant que la prochaine vague arrive, les statistiques de 2020 montrent. Donc, on a dépensé 200 milliards donc pour vaincre cette pandémie. Alors que notre santé pouvait fournir donc les thérapies, la thérapeutique pour cette pandémie. Donc au cours de ces deux dernières années, il faut que ce problème soit considéré non seulement par les ministres de la Santé, mais également par les ministres des Finances. Il faut qu'au cours du G20, on puisse examiner cette situation. Il faut que ce soit un investissement et non pas seulement une dépense. Et il ne faut pas attendre que la prochaine pandémie se présente avant de renforcer nos systèmes. Il faut. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de à propos de Gavi Sandy et de toutes les agences multilatérales. Il faut soutenir, il faut qu'ils fournissent. Donc. Et si l'on veut, il faut pouvoir fournir l'Afrique si on veut que ces initiatives soient des succès. Lors de la donc présidence française et de l'Union européenne et donc par les Allemands du G7, il faut créer de nouveaux partenariats pour renforcer tous ces problèmes de santé. Donc il faut non seulement des finances adaptées, mais également il faut donc on examine ça lors des dialogues donc du G20. Donc il faut notamment aider les pays vulnérables. Il faut créer une architecture. Donc si on développe donc des productions locales en Afrique du Sud et en Afrique, et donc toutes les agences multilatérales doivent fournir les assurances qu'ils vont fournir. Donc le point principal actuellement, et c'est un résultat donc de cette conférence aujourd'hui, c'est que si on veut transformer l'économie, la santé est un domaine où les investissements en Afrique vont créer des emplois, mais également des solutions locales aux problèmes. Je partage l'avis de Philippe. Donc, il faut créer des nouvelles plateformes, des nouvelles organisations, et notamment des organisations qui offrent des traitements pour les femmes, pour le diagnostic, pour le traitement, pour des cancers, et au prix de 1 euro par personne, ce qui est absolument fantastique. Mais également le patent pool des médicaments dont on a parlé précédemment, qui a été créé. Donc, je pense qu'avec la présidence française donc de l'Union européenne et l'Indonésie lors du G20, d'ici la fin de l'année, il y aura un nouveau mécanisme de marché et de nouveaux encouragements pour que l'Afrique puisse avoir une production locale et que cette production pourrait être commandée et utilisée sur place. Donc, il faut des gens formés, il faut des pays que les pays gèrent et forment pour qu'ils puissent gérer donc tous ces problèmes de diagnostic et gérer tous les problèmes dont on parle aujourd'hui. C'est pas uniquement
des vaccins, c'est également des diagnostics de bonne qualité et également des thérapies de bonne qualité. Ce n'est pas uniquement une question de vaccins. Oui, oui, ça remarche. Merci beaucoup, Monsieur Donnelly. Bon, à distance, c'est pas facile de faire un échange, mais vous avez interpellé Philippe Douste-Blazy. Moi, je voudrais prolonger tout ce qui a été dit en citant un point, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller au-delà de la question du Covid ? Est-ce qu'on peut, Philippe Douste-Blazy, vous connaissez bien tout ça, et l'industrie pharmaceutique aussi. Est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre entre le financement, comme je le disais, de l'innovation et sa rémunération ? Donc des porteurs de risques, des actionnaires, hein, voilà, des big pharma, il en faut. Et la générosité, j'allais dire aussi, au-delà de la simple générosité que vous évoquez, l'humanité, de se dire, on ne peut pas laisser, face à un risque, en plus qui pourrait nous revenir, on le sait, en boomerang, de nouvelles pandémies, parce que ça fait depuis 2 ans qu'on a découvert qu'on avait ce risque de pandémie, qu'on nous parle du Covid en disant, mais le Covid, c'est rien par rapport à ce qui pourrait vous arriver. Vous avez cité Ebola, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, donc, est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre, le juste équilibre ? Alors, je fais très court, 2 remarques. La première, c'est, est-ce que la santé est un bien capitalistique ? Voilà, c'est une question. On peut penser que la voiture, je peux acheter une voiture, si j'achète une 2 chevaux, je vais aller d'un point A à un point B en, je sais pas, un jour. Si j'achète une Ferrari, j'irai en 3 heures. Mais j'irai dans les 2 cas d'un point A à un point B. La santé, si vous n'avez pas le médicament, vous crevez. Donc la question est, est-ce qu'il est normal que ce soit considéré pareil ? Donc moi, la réponse, elle est très simple. Pour les gens qui ont de l'argent, oui. Pour ceux qui n'ont rien dans la poche, non. Et donc, il y a 5 biens publics mondiaux. Il y a la nourriture, l'eau potable, la santé, qui est un droit, comme elle l'a très bien dit, l'éducation, qui est un droit, et l'assainissement. Ces 5 biens publics mondiaux doivent devenir universels. C'est la dignité de chaque être humain. Donc, quand ils n'ont rien dans la poche, eh bien oui, Philippe, malgré le capitalisme ambiant, mais il faut organiser le monde pour que ces 5 biens publics mondiaux soient universels, que chacun y ait droit. Aujourd'hui, là, je termine, aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, ce que je viens de vous dire sur la communauté de brevets, c'est très bien, vous êtes en France, vous payez votre brevet, 34 Pfizer, 34 euros. Je rappelle qu'en France, on n'a pas payé, hein, c'est l'État qui a payé. Non, mais c'est l'État. On s'est tous fait vacciner 3 ou 4 fois, on n'a rien payé. Hein. Justement, ça veut dire que c'est vous qui avez payé, justement. Oui, c'est, d'accord. C'est donc bon, vous qui l'avez payé. Donc, c'est nos enfants qui paieront. Non, mais d'accord, mais la France, ou nos enfants, nos arrière-petits-enfants, payent 24 ou 25 euros. Ce que je propose, c'est que pour les pays pauvres, ce soit 1 euro ou 2 euros. Je l'ai fait. C'est pas comme si... Attendez, je suis d'accord, mais juste, je vous arrête, il y a une contradiction sur un point. Non, je ne veux pas défendre les capitalistes, mais on est à la tribune. Je vais répondre sur les actionnaires. Non, mais vous m'avez parlé des actionnaires. Non, mais moi, si je veux, il y a des vaccins anti-palus qui vont arriver. Oui. Le palus, ça tue plus que le Covid en Afrique. Non, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on, donc, si on veut financer les futurs vaccins qui tueront les maladies, est-ce qu'il ne faut pas quand même rémunérer ces chercheurs ? Non. Et donc, à 1 euro, ils vous disent ça ne marche pas. Non, est-ce que je peux juste terminer ? Terminer. Sur les actionnaires, le capitalisme et l'industrie pharmaceutique. Vous avez raison. Une industrie pharmaceutique, c'est comme n'importe quelle entreprise. Elle a des recettes, elle a des dépenses. Donc, il ne s'agit pas de le faire gratuitement. Je dis simplement qu'on doit mettre ensemble, il faut que les industries pharmaceutiques gagnent beaucoup d'argent dans les pays riches, ça m'est égal, mais qu'elles permettent de ne pas gagner de l'argent sur les pays pauvres. Maintenant, pour répondre à votre question sur le Covid, vous savez combien M. Trump a donné de ses impôts américains à Pfizer ? Vous savez combien il a donné à Moderna ? C'est plus de 20 milliards de dollars. Eh bien, j'estime, je veux bien que Pfizer ait gagné 45 milliards, mais enfin, il faudrait quand même qu'ils comprennent que sans l'argent public, ils n'auraient jamais fait leur vaccin en 1 an. Ce n'est pas vrai. Et moi, je voterai pas Trump si j'étais aux États-Unis, mais M. Trump a fait beaucoup pour qu'on ait tous des vaccins. C'est l'argent
public, Philippe, c'est pas l'argent privé. Donc c'est pareil, lorsque l'INSERM, le CNRS en France font des recherches extraordinaires avec des types qui sont payés 3 500 € par mois, eh bien le laboratoire pharmaceutique pique aussi ça au niveau... Je vous pique le micro. Elsa, et puis vous aussi, si vous voulez bien. C'était exactement ça que j'allais dire, alors, monsieur le ministre, parce que quand je regarde même les organisations comme Moderna, Moderna a eu plus de 1 billion de dollars de l'argent de la santé publique, 1 milliard dans la recherche pour le vaccin. Et puis en plus, les États-Unis ont encore payé plus de 6 milliards encore pour ces vaccins. Donc à la fin de la journée, ils ont eu l'argent de 200. Tu ne peux pas y avoir ça les deux two ways, like they say in English. Tu ne peux pas avoir ça les deux mains. Soit tu vas partir privé, tu vas faire la recherche et ce sont les sous privés que tu vas mettre dans la recherche, ou bien tu vas utiliser l'argent que le public, qu'on a déjà payé pour ça, et puis tu vas aussi aider le public. Donc c'est ça que je veux dire. Bien sûr. On peut peut-être vous entendre, parce que vous êtes représentant de l'industrie, Stavros Nikolaos, sur... cette problématique financement de la recherche et santé publique. Okay, thanks very much. I think that I'll keep my answer brief because we have run out of time. From an Aspen point of view, being an African company, oui, en ce qui concerne Aspen, nous sommes une entreprise africaine et nous voyons beaucoup la souffrance, le manque d'accès au traitement. Et nous proposons qu'il y ait un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et l'accès au traitement. On a vu cette pandémie, d'autres pandémies au début des années 2000, et on a vu des milliers la pandémie du sida au début des années 2000, on a vu des milliers de jeunes Africains qui sont morts du sida. Donc, les innovateurs, ceux qui ont innovent, peuvent récupérer beaucoup plus d'argent, de profits dans les pays plus riches. C'est un sujet très complexe. J'aimerais en parler avec plus de temps, mais je dirais que quand je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu directement, il faut qu'il y ait un équilibre entre la propriété intellectuelle d'un côté et l'accès des patients au traitement de l'autre. Merci. Merci. We're running out of time, comme on dit. Merci. Madame la maire de Tunis, un mot de conclusion, voilà, un parce mot de que conclusion, vous avez traversé la Méditerranée pour venir nous dire quelques mots. C'est juste pour dire, gouverner, c'est agir et interagir en temps réel. Et en temps réel, il faut trouver les politiques nécessaires pour un équilibre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre. Donc, il faut trouver l'équilibre pour garantir aussi bien les investissements, retrouver les moyens, et aussi la santé, essentiellement les moyens pour outiller les pays défavorisés, en quelque sorte, pour quand même préserver la dignité des habitants. Une dernière punchline, Philippe Douste-Blazy. Les antivax sont au nord et les non-vaccinés sont au sud. Oui, c'est désolant de voir que la vaccination, qui est, je pense, a sauvé le plus de vies dans l'histoire de l'humanité, est combattue par des gens qui ne comprennent pas le bonheur dans lequel la vie dans laquelle ils sont est tellement heureuse, au fond, qu'ils en oublient la rareté. Alors, on a une dernière chose à faire avant de... C'est Shoghi Ahmed, qui, je ne sais pas s'il est là, si on, il a le micro, qui est donc... Un jeune qui doit poser une question. En fait, on avait prévu, mais le temps nous a... Est-ce que Shoghi est là? Est-ce que vous avez le micro? I'm here, yes. Come on. Hello everyone. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour à tous. Oui, on parlait d'Aspen et ma question, c'est pour vous, Monsieur Stavros, sachant que c'est une personne
1% des vaccins qui sont produits localement en Afrique. Quelle est la prochaine phase pour nous pour que nous puissions atteindre davantage nos objectifs? Nous pouvons tous être d'accord avec les gouvernements, on voit les expériences, on voit les gens qui parlent de ce sujet et le secteur commercial. Bien sûr, les entreprises privées cherchent le profit. Donc, comment est-ce qu'on peut aller vers cela à l'avenir? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir prolongé le débat sur ce qu'on a commencé à dire. Thanks very much. That's an excellent question. Can I start off from the vantage point? Merci beaucoup, c'est très important comme question. Oui, quand vous êtes dans le secteur pharmaceutique, la philosophie d'Aspen, c'est que vous vous occupez d'abord du patient et ensuite vous aurez du profit. Donc ça, c'est notre politique fondamentale et je pense que toute la chaîne de valeur doit avoir cette philosophie. Qu'est-ce qui doit être fait pour changer ce pourcentage de 1% qui est inacceptable? Eh bien, si on le formule de façon différente, M. Strad Massi, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies pour le COVID, il me parlait un jour et il m'a dit que avec tous vos volumes, si vous les agrégez, si vous voulez que ces volumes soient produits en Inde, eh bien, comment vous allez faire? Eh bien, comment est-ce qu'on peut changer ça? Nous devons changer ça avec trois choses. D'abord, nous devons avoir un partenariat au niveau des technologies. Deuxièmement, il faut changer les dynamiques en ce qui concerne les achats. Et ce n'est pas seulement d'avoir ces capacités et au bout d'un an, terminer la production parce qu'il n'y a pas de débouchés. Et ensuite, au lieu de parler, il faut mettre en œuvre. On parle de la production pharmaceutique sur le continent africain, mais il y a très peu de mise en œuvre. Moins on met en œuvre, eh bien, nous devons vraiment créer des jeunes scientifiques. Nous devons avoir des capacités, pas seulement en Europe, en Amérique du Nord, etc. Ça, ce sont les trois choses que nous devons faire. Et donc ces dynamiques en termes de partenariat, de technologie, et nous devons faire tout cela. Merci beaucoup. Merci à tous. À toutes pour ce débat et à bientôt.